syndicat, il fait ça, il est télévisé. Comme nous savons qu'on est rendez-vous en matin, c'était le gymnasium Vincent, mais malheureusement, il y a des situations qui arrivent dans le rendez-vous de nous, obligés que nous fassions après-midi, que nous fassions là. Donc, sans nous partager, puisque c'est une présentation du syndicat, nous avons permis que nous présentions nos syndicats une par une. Nous avons commencé par le coordonnateur adjoint, qui c'est Jean L. Delundi, qui c'est inspecteur divisionnaire Jean L. Delundi, Lévimont. Très bien. Maintenant, deuxième et coordonnateur adjoint, qui c'est Grégory Polidor, qui c'est agent 2. Et puis, Gagné et Noël. Noël, qui c'est. Noël Choubli, qui c'est porte-parole, deuxième porte-parole et SPNH. Maintenant, Kounia, c'est Sage. Sage qui c'est porte-parole. Bonnet Nelson. Sage. Abelson Bonnet qui c'est porte-parole syndicat. Maintenant, Jérémy. Jérémy Pierre, qui c'est trésorier syndicat. Et puis Adima Célestin, responsable logistique. Geoffroy Gerby, agent 1, qui c'est délégué syndicat. Odzel Saint-Hilaire qui s'est délégué. Higgins Lamar, donc qui s'est conseiller du syndicat. Et puis Black Leandro qui s'est premier délégué syndicat. Mongouin Généon qui s'est conseiller. Et puis nous gagnons Dario. Dario Antoine qui s'est conseiller syndicat. Frédéric. Frédéric. C'est Mac Daniel, donc Frédéric qui s'est conseiller. Et puis Carlo Saint-Ouest. Carlo qui s'est conseiller syndicat. Et puis nous gagnons Whitna. Wedna Civil, qui c'est la seule et unique fille qui est présente là, donc il pas seule fille qui est dans le syndicat, donc il est secrétaire, premier secrétaire syndicat. Donc pour le moment, c'est membre ça qui est présent devant nous-mêmes, près ça qui est là. Et bien, il y a un autre membre qui est justement des situations qui est indépendante de volonté, qui fait que vous n'êtes pas présent. Donc nous permettons au coordonnateur adjoint, qui est inspecteur divisionnaire, Jean Delundi, pour un coup d'intervention. Et à Rennes, donc Elder, vous avez la parole. Comment tu as m'a salué la presse parlée, écrite et télévisée. Je dis assez un honneur pour moi pour nous présenter comité syndical là-bas et la presse dans un contexte qui est assez difficile. Côté que nous obligés, tout le monde là obligé de cacher parce que nous avons un contexte corona qui est très drôle dans le pays. Côté que m'a profité. Fait tout le monde connaît les gestes barrières qu'il faut que nous fassions. Mais dans le contexte que nous présenté le syndicat, c'est un contexte côté que. Côté que nous étions supposés faire une présentation ça dans le premier espace. Côté que des difficultés de toutes sortes fait que nous pas qu'à faire dans la position ça. Mais pour qu'on y a là, nous obligés de faire. Travail ça que nous avons fait là, vous nous oubliez présenter le matin là. Est-ce que nous avons un petit camp moins, s'il vous plaît? La presse parlée, écrite et télévisée. Moi, c'est inspecteur lundi Jean Elder, coordonnateur général adjoint SPNH. Dans le contexte matin là, c'est présentation nous avons fait de syndicats. Côté n'a fait ça dans un contexte assez difficile, dans un contexte de coronavirus, côté que nous obligés utiliser toutes gestes barrières yo. Et ça fait que nous tout là où nous avec cache. Mais m'a très bref et que n'a passé porte-parole là, n'a fait bailler porte-parole, n'a bal porte-parole là fini avec présentation pour nous. Merci. C'est pas changer de place. Changez place. Encore une fois, bonsoir. Nous saluons la presse parlée, écrite, télévisée, qui présent jeudi pour assister à la présentation comité central SPNH 17, qui est le syndicat de la police nationale d'Haïti. Nous avons commencé de gauche à droite.
Nous avons à gauche porte-parole adjoint qui c'est Noël Choubi Huggins. Levez prêtez du doigt, levez-moi. Porte-parole adjoint. Nous avons coordonnateur adjoint Grégory Polidor. Nous avons premier porte-parole et coordonnateur adjoint qui c'est inspecteur Jean-El Del Lundi, inspecteur divisionnaire. Moi-même qui c'est policier de garde agent 2 Groneg Abelson, porte-parole principal. Mon brin, Gédéon, de garde agent 2, conseiller. Blake Lesandro, levez-moi. Blake Lesandro, qui c'est délégué principal. Nous avons Saint-Hilaire Roosevelt, qui c'est délégué adjoint. Nous avons Geoffroy Gerby, qui c'est délégué adjoint. Nous avons Adema, qui c'est responsable logistique. Adema Célestin. Nous avons Pierre Jérémy, qui c'est trésorier et principal, de gauche à droite. Nous avons Huggins Lamar, qui c'est membre. Nous avons Wedna Civil, qui c'est secrétaire général. Nous avons Semak Daniel, qui c'est conseiller. Nous avons Antoine Davio, qui c'est délégué. Et pour finir, nous avons Carlo Saint-Aurès, qui c'est conseiller. Donc, nous avons marqué sur table là, nous représentons une seule fille, qui c'est secrétaire général là. Donc, coordonnatrice générale là, n'est pas présent. Début avant hier, même dans la rencontre, nous avons préparé pour la présentation ça, état santé pas de bon. Donc, matin là, malgré hier, vous regardez l'inandra et pour le vini, il a fait effort pour être c'est capable, vu avec épidémie, fièvre qui gagne, coordonnatrice générale nous. Qui c'est Yannick Joseph de garde agendé n'est pas présent. Donc c'est tout ça que nous te présenter avec la presse parlée écrite et télévisée. Nous disons merci. Si toutefois il y a notre bagarre n'a mettez nous au courant. Merci, c'était syndicat de la presse nationale. SPNH 17. 17 là. 17 là normalement nous dit et SPNH 17 qui c'est syndicat de la police nationale d'Haïti. Nous mettez 17 là et DL dans siglan. C'est après enregistrement nous t'a fait dans ministère affaires sociales côté que tu gagne une organisation qui définit est-ce qu'il y a pour sigle SPNH déjà. Donc, il a été exigé nous, il faut que nous ajoutions un bagage. La donne pour modifier. De ce fait, nous mettons SPNH-17. 17 ans, c'est pour date création syndicat qui c'est 17 novembre 2019. C'est-à-dire, nous en année 2020, 17 novembre 2020, a déjà bail syndicat pour le syndicat d'Haïtien un an d'existence. Qui est la mission SPNH? Normalement, nous c'est yeux avec oreilles, tout policier. Plus de 16 000 policiers. Donc nous là, pour nous prendre doléances policiers, pour nous porter aller dans l'instance concernée, une façon pour les conditions de vie policiers, conditions de travail policiers sont capables de changer. On a fait pour l'autre syndicat et notre PNH qui est mis à faire social en justice. Nous t'avez ça? Bon, et nous tendez, gagnons l'autre syndicat. Et nous pas ignorer ça parce que nous-mêmes nous prenons des formations côté que y ont apprendre nous tout. Donc nous avons une institution capable de gagner plusieurs syndicats, mais de ce fait vu que yo même yo pas chercher joindre avec nous, donc yo grand yo capable comme ça. Donc nous pas ignorer ça. Merci. Dans le moment ça nous souhaitons voir un message par policiers. Dans le moment ça n'a pas de policiers, on a lancé un appel au calme et à la sérénité. N'a pas de policiers, dans le moment ça syndicat SPNH 17 là illégal. Moi crois que nous gué pour nous affronter tout ça n'a pas affronté d'une manière institutionnelle. Policiers, policières qui fait partie de l'institution ça n'a pas dit encore que nous pas qu'à bataille nous pas petit là ainsi que nous pas gain PNH là pour une bataille nous obligé dans tout ça n'a fait pour nous considérer que pour nous sauvegarder institution ça que nous goumen pour lui que moi même en tant que inspecteur principal que nous là depuis 95 m'a bataille et on croit que l'important pour nous qu'un vieux bataille n'a pas mené, mais pas de la bataille là pour nous sauvegarder PNH là. C'est ça qui fait que moi des policiers, qu'un vieux calme nous, qu'un vieux sérénité nous, côté que SPNH après le travail pour porter revendication policiers arriver au plus haut niveau que nous capotons. Mais pour nous faire ça,
il faudrait que les policiers aient été calmes, parce que la bataille syndicale, c'est pour une bataille qui est rapide. C'est-à-dire que nous prenons temps pour une bataille et nous avançons lentement, mais nous arrivons sûrement. Je profite encore de remercier la presse qui est présente là avec nous, la presse en ligne et la cour comme presse traditionnelle. Nous disons merci et nous souhaitons que dans tout ça, SPNH l'a fait, presse là toujours avec nous. Merci beaucoup. Qui a rapport SPNH a gagné? Alors SPNH 17 avec 509 commandants. Qui a rapport 2? Nous finis. Nous finis. Bon. C'est ça le problème. Nous avons sans savoir que comme le monde captant des nouvelles dans la radio, nous entendons parler de 509 fantômes. Nous-mêmes, au niveau syndicat, nous sommes des mondes qui sont institutionnels. Donc, ça que nous connaissons qui suit certain, il y a des policiers en d'institution qui sont frustrés, ok, moral est bas. Donc, maintenant, est-ce que c'est eux-mêmes qui regroupent en 509 fantômes? Nous ne connaissons pas. Ça, il était que pour l'État et la justice fait travail. Mais ça qui suit certain, il y a un syndicat qui là, qui existe, qui nous travaille de concert avec la direction générale, avec l'État, pour porter cause policière. Merci. 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 Et nous,